En hommage au célébrissime aphorisme, une gare, c'est un lieu où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Rien, s'était autoproclamé le chanteur du dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, petit ex-figurant en quatrième de couverture du court bouquin. Rien, le chanteur toujours en prison, ou déjà pire. Au recto, vous voyez une guitare, une poêle, une cuillère. Mais également un homme enchaîné. Car ce bouquin est le premier d'une collection L'espoir enchaîné. Je ne suis pas chanteur, vous savez, mais je vais essayer de vous rappeler cette chanson Rien. Que vous avez peut-être déjà entendu et oublié. Nous, rien de rien, non, nous ne sommes rien, ni humains, ni même chiens, de simples confettis en Macronie. Si, si, c'est moi qui fais semblant de chanter. Deuxième couplet. Nous, rien de rien, oui, nous ne sommes rien. Ersatiens, bon à rien, nous dévorons le pain des citoyens. Si je fais des intonations parfois, pour finir ce deuxième couplet, troisième couplet. Nous, rien de rien, mais qu'est-ce qui les retient? Nous pucer, nous épuiser, nous empoisonner, incinérer. Quatrième couplet. Nous, rien de rien. Non, nous ne sommes rien, ni humains, ni même chiens, de simples confettis en Macronie. Et comme je suis parfois cohérent, vous entendez peut-être derrière un chien. Oui, ce n'est pas le Mirza de Montcuq, mais c'est un chien de Montcuq en quartier blanc qui improvisait derrière ma présentation de ce bouquin qui passera peut-être inaperçu comme les autres. Quoique Aurélien Pradié vient de publier un livre, oui, on ne sait pas qui l'a écrit, mais Aurélien Pradié a publié un livre, ce qui a entraîné des ventes sur Aurélien Pradié troublant, comme quoi c'est parfois des causes et des conséquences. On peut se demander également si en conséquence il y a eu le décès de Monsieur Michel Roumégou, puis la démission de, ah, je ne sais plus son nom, d'un ancien sénateur lautois qui a été maire de Saint-Cyr-la-Poupie, mais j'ai oublié son nom. Je suis désolé.